Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Nyon Scoop. À de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là sur abonner, vous activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez également faire des dons en dessous de cette vidéo où se trouvent toutes les informations qui vont vous intéresser. Vous pouvez faire des dons par Western Union ou par PayPal. Ce sont les deux moyens qui sont disponibles actuellement. Wow, mes frères et sœurs, merci de ce que vous regardez cette vidéo. Et nous disons en même temps merci à tous ceux qui se sont abonnés. Aujourd'hui, nous avons un live 8000 abonnés qui va se tenir à 19h. Assurément, vous êtes déjà informés. C'est une vidéo que nous avons faite hier, un live qu'on a fait hier. Et waouh, soyez présents tout simplement. Nous allons vous présenter des choses extraordinaires qui vont surtout vous intéresser. Mes frères et sœurs, et si nous vous disons que la bouche qu'elle a là, c'est une âme très puissante. C'est quoi la bouche? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ce que tu prends pour embrasser femme des gens. Ce que tu prends pour embrasser ta femme, ou même pour parler, pour lui dire bonjour. Là. C'est ça on parle. De cette bouche là, de cette chose si jolie, créée par Dieu qui se trouve là, là. De cette chose là peut sortir des choses. Des paroles mauvaises. Oui, en fait, ce sont des paroles en général qui sortent de là. Et ces paroles peuvent être positives comme négatives. Nous devons comprendre que, quelles que soient les paroles qui sont sorties de notre bouche, nous devons veiller à ce que toutes nos paroles soient orientées vers le côté positif. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que quand vous parlez, quand vous faites sortir des choses de votre bouche là, il faudrait que ça soit des choses qui vont toucher positivement les autres. Il faudrait que les autres se sentent bien en vous entendant parler. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas prononcer des paroles mauvaises ou encore des paroles de malédiction. De ta belle bouche va sortir de mauvaises paroles, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur. Non, il faut que ta bouche sorte de belles paroles, des paroles pour bénir et non pour maudire. Quelle que soit ta colère, quel que soit ton niveau, ou encore ton degré de colère. Tu n'as jamais vu quelqu'un dans la joie qui a fait sortir de mauvaises paroles de sa bouche? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut que dans ton cœur, tu sèmes de la joie là-bas. Aujourd'hui, Nyon Scoop a un live de le live de 8000 abonnés. En ce moment-même là, nous sortons, nous allons acheter de la nourriture pour ce live. Oui, la nourriture que nous allons utiliser pour consommer avant, c'est une manière de nous motiver. Est-ce que vous voyez? C'est une manière de semer dans notre cœur de bonnes choses. Est-ce que vous voyez? De la joie. Afin que dans notre bouche, sorte que de belles choses et que ce live-là soit un succès. Oui, voilà. Donc, il est très important de faire sortir de sa bouche de très bonnes paroles. Nous allons vous dire ici pourquoi. Vous savez que certaines personnes ont la colère là, qui maudissent leurs enfants. Carrément, qui maudissent leurs enfants. Ceux qui font sortir des paroles de malédiction facilement, là, en général, ce sont les sorciers qui font ça. Surtout quand ce sont des parents. Si tu vois que c'est un parent, soit ton père, soit ta mère, ou bien un frère, et il fait sortir facilement des paroles de malédiction, c'est que c'est un sorcier. Parce que quand on dit on est frère, on est mère, c'est ton fils, c'est ta fille. Là. Pas la maudire comme ça facilement, même si
elle a coupé ton bras. Même si elle t'a fait du mal. Nous savons tous que les paroles ont un effet. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que tout le monde puisse avoir de belles paroles dans sa bouche. C'est parce que il y a des démons qui existent, qui sont là, qui nous écoutent. Et ils transforment toutes nos paroles en fait réel, c'est-à-dire en réalité. Vous le comprenez ici. En réalité. Voici quelqu'un, un homme, de son vivant. Il a été dans un bar. Et dans ce bar-là, comme il avait l'habitude de fréquenter ce bar-là, il a dit au propriétaire de ce bar que lui va acheter une chaise. Et cette chaise-là, il faudrait que ce soit lui seul, l'unique personne à s'asseoir sur cette chaise. Et même à sa mort, il ne veut pas voir quelqu'un être assis ou sur sa chaise. Ça, c'est la parole, n'est-ce pas? Oui. Par la suite, il va même aller à commencer à réaliser sa propre parole. En faisant quoi? En achetant une chaise. Quand il a acheté la chaise là, il a placé la chaise effectivement là où il devait placer la chaise. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est là où il a placé la chaise. Dans le bar, effectivement, lui seul devait s'asseoir sur sa chaise. Maintenant, un jour, il est mort. Et quand il est mort, des choses graves vont commencer à se manifester à cause de la parole qu'il a prononcée et des actions qu'il a posées, tout simplement. Quand il est décédé, sa chaise qu'il a laissée là, la demande, il n'est pas à quelqu'un, il n'est pas à s'asseoir là. Un jour, quelqu'un va se tromper. Même pas se tromper, il va faire exprès même. Pour s'asseoir dessus sur la chaise. Pour voir ce qui allait se passer. Et la personne s'est assise comme ça sur la chaise de ce homme-là. Tout le temps plus tard, cette personne a eu un accident bizarre. Après, il y a eu encore d'autres mouvements. Et d'autres personnes sont venues s'asseoir là-dessus. Et il faisait que mourir. Au point où j'étais obligé de dépasser cette chaise-là. Et positionner cette chaise-là. Or, de cet endroit, dans un endroit inaccessible. Ça veut dire que la parole que cet homme-là a prononcée, là, ça a eu des effets. Ça a eu des effets. C'est ce que tu dis là. C'est ça qui attire vers toi. Ce que tu prononces là, c'est ça que qui attire vers toi. Et si tu prononces des paroles de bénédiction sur les gens, c'est la bénédiction que tu vas partager. Si tu prononces des paroles de malédiction, Dieu lui-même va venir se positionner au milieu pour voir si cet homme que tu maudis est juste. Si cet homme que tu maudis est juste, la parole de malédiction là, ça n'aura aucun effet et ça va retourner à toi-même. C'est comme ça que ça se passe. Alors, apprenons à nous-mêmes nous bénir. Regarde-toi toi-même et dis, je suis béni. Je suis une femme très belle. Je suis vraiment. Il y a la paix en moi. Prononce des paroles sur toi-même. Tu attends que quelqu'un vienne prononcer des paroles sur toi. Ah! C'est maintenant, c'est l'heure pour toi de prononcer de belles paroles sur toi. Et de dire, je suis quelqu'un de bien. Je peux réussir. Et je vais réussir. Excusez-moi. Moi-même, j'appuie sur ta parole pour dire que. Mon frère, tu vas réussir. Tu as toutes tes mains. Et tu vas réussir. Parle seulement sur ta vie et tu verras toutes les choses qui t'accomplissent dans ta vie. En plus, accepte Jésus-Christ maintenant dans ta vie et lui-même se chargera du reste. Il se chargera d'exaucer ta parole, d'accomplir ta prière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Soyez prêts. Soyez prêts! Le live ce soir, ça va chaud. Merci à tous ceux qui sont abonnés, les 4000 pour les 8000 abonnés. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, les 9000 abonnés. Après les 8000, il y aura 9000 abonnés à ce moment où il y aura une prochaine live.
Merci également à tous ceux qui feront des dons. Les informations sont difficiles de tout. C'est à vous de choisir. Merci à tous ceux qui nous observent, à tous ceux qui nous regardent, qui réagissent à la partie commentaire. Que Dieu vous bénisse et c'est parti pour les lives. Let's go.